Salut la gang! Bienvenue dans un nouveau vlog! C'est rare qu'on commence un petit vlog assis, mais là, on sent les grands moyens, là. C'est l'heure du taste test. Je pense pas que je suis prête. Je suis vraiment énervée. Dans le fond, j'étais censée commencer un vlog ce matin et j'ai comme complètement oublié. Le matin, l'après-midi, a tellement comme passé vite. J'ai tellement fait des belles choses. Mais ouais. On dirait que je profitais du moment présent puis j'ai comme pas pensé vlogger. Donc on commence ici. Juste un petit recap de mon matin. Je suis allée au spin. C'était un spin thématique glow in the dark. C'était tellement le fun. On a vraiment eu un beau moment. On avait tous des glow sticks, la peinture puis tout. On était vraiment tout habillés comme des couleurs comme flashées. Sinon c'est ça. C'était vraiment plaisant. Puis après, je suis allée chez Guérette. Oh, secret de Dana. Parce que là, c'est ça, on est en train de finaliser les préparatifs pour le Bachelorette qui arrive dans un mois. Mais là, c'est ça. On continue. Donc, c'est ça la gang pour vous expliquer. Là, vous allez peut-être voir, ben, qu'est-ce qui se passe. T'as-tu des baobabs mille dans ta petite assiette? Et la gang, je capote. Caro, dans le fond, pour les gens d'ici, vous savez peut-être, mais Caro, c'est elle qui a le yuzu dans mon coin. Elle m'a envoyé un message cette semaine. Elle était comme, hey, mine, ça te prendrait-tu de goûter les nouveautés du yuzu? Parce que ça sort lundi. Elle dit, t'aimerais-tu faire un petit test avant que ça sorte? Tu m'as-tu vraiment demandé, est-ce que ça te tente? J'étais comme, c'est sûr! Elle était comme, t'aimes les choses crues, hein? J'étais comme, oui, oui. Mais c'est ça. Donc, il y a quelques nouveautés. Et en gros, sur le menu, c'est les baobabs. Donc, je sais pas si vous avez déjà goûté ça, là. Je trouve que ça vient, ça sort comme de plus en plus, là. Moi, ça fait un petit bout, là. Longtemps passé, dans un restaurant de mon coin, il y en avait. Là, il y en a comme plus. Mais je vois ça passer là, un peu partout dans les restos. Puis c'est vraiment bon, c'est comme des petits pains à la vapeur. Ceux-là sont différents, on dirait qu'ils sont cuits un petit peu plus sur le fait. Ça fait vraiment style petite buns à hamburger, petit pain genre pain nan. Tu sais, je sais, c'est pas ça là. Mais on dirait qu'il est un petit peu plus dur là. Servi dans un pain bao frit. Ah, c'est peut-être pour ça. Il est plus comme dur, ouais. Mais vraiment, là, il va y avoir plusieurs sortes. Moi, dans le fond, j'ai celui-là au duo de saumon. C'est-tu comme ça qu'il l'appelle? Tartare de saumon et bacon de saumon fumé. Désolée. Il y a California, il y a fish and chip, puis il y a tartare de thon TNT. Celui-là doit être bon aussi. Dans le fond, moi, j'ai un tartare de thon. Puis sur le dessus, j'ai un morceau de saumon. Cuit genre à la torche. J'allais pas dire à la torche. Puis, nouveauté aussi sur le menu, des sashimi. Les sashimi, dans le fond, c'est genre un morceau de saumon cru. Dans le fond, juste cuit à la torche également sur le dessus. Si je me mêle pas dans mes petits mots, là. Mais ouais, comme là, j'ai eu le saumon teriyaki avec la petite sauce teriyaki, là, tellement noire. Puis, c'est ça, son nouveau là. Nigiri sashimi, ouais. Saumon grillé, thon grillé, crevette, c'est tout ça? Saumon fumé, cocon, thon, saumon, ouais. Moi j'adore là. Habituellement, je prends le nigiri thon grillé. Non, saumon grillé. Dans le fond, c'est la même chose, mais juste le petit poisson. Mais c'est ça. Sinon, nouveauté, ça sort lundi, la gang. Je l'ai-tu dit? Je suis trop excitée. ça sort lundi. Puis, y a-tu d'autres nouveautés? J'ai parlé à Stéphane, dans le fond. Il m'a mentionné qu'il allait avoir, genre, d'autres nouveaux plateaux.
Mais niveau sushi, là, c'est pas mal ça les nouveautés. Vraiment les bao buns. Il va avoir un plateau genre plein de yuzu maki. Moi, c'est mes préférés. Plein de yuzu maki avec des bao buns. Ça, c'est comme un gros plateau fourni. Donc, on va se faire un petit taste test en ce vendredi soir. Puis, j'ai même un petit cocktail d'eau pétillante. Et je me suis même fait un petit cocktail d'eau pétillante. Dans le fond, c'est ma San Pellegrino à la clémentine. Je l'aime tellement. Puis, c'est ça. Donc, on va se faire un petit taste test, la gang. Personnellement, j'aimerais savoir quels sont vos sushis préférés. Moi, j'aime plus c'est cru, plus j'adore. J'ai un petit faible aussi pour un bon petit uzumaki au concombre. Ça me prend ça, là, tu sais, un petit side, là. Mais là, les bao buns, moi, ça m'intrigue vraiment. Mais je pourrais quand même essayer les sashimi, là. Désolée pour les gens qui aiment pas voir le monde manger. Mais moi, les taste tests, là, I just love it. Personnellement, moi, je suis plus saumon que thon. Mais c'est le goût à tout le monde, là. La gang, ça fond dans la bouche. C'est comme un bonbon. J'adore. Comme ça fond dans la bouche. J'ai l'impression, on dirait le thon a l'air un petit peu plus dur. Saumon vraiment là. Sinon ici, petit tartare de saumon. Saumon sur le dessus. Ça, je file que je le dipperais dans la mayo épicée. J'ai oublié de me prendre un petit pot. Mais c'est pas grave. On va vivre un moment quand même. Il y a même une petite salade d'algues. Là, c'est le fun. Un petit goût comme la salade d'algues du yuzu. Je sais pas si vous l'avez déjà goûté, là, mais elle a vraiment un bon goût. Il y a de la mayo épicée aussi là-dedans. Et ça, c'est différent. C'est vraiment bon. Ouais. Puis, le pain, la bao bun, ça a un petit peu plus dur que les autres que j'ai déjà mangé. Mais j'adore ça. Moi, vous savez peut-être, je suis vraiment une fille de texture. Sur mou. Misère un peu. Là, c'est genre mou. C'est comme le. Il y a comme une enveloppe. Une enveloppe d'amour. Hein? Non, pour vrai, c'est super bon. C'est comme si tu manges comme un burger ou sushi. Je capote. C'est vraiment bon, la gamme. Mais ouais. Je serais curieuse de savoir, vous, c'est quoi votre genre sushi. Votre sushi préféré. Moi, là, je pourrais manger des sushis tous les jours. Sushi, poké, tout. Comme à chaque fois, pis tu sais, ça, j'invente rien, là. Vous savez, à chaque fois, je célèbre quelque chose, je veux me gâter, ou. Tu sais, je suis tout le temps au sushi, là. Comme je suis tout le temps au yuzu. Vraiment trop contente de goûter ça. Sur la vidéo va sortir dans le fond lundi, la journée que ça va sortir. Je vous laisse savoir. Vous me laissez savoir, oui, si vous goûtez là. Moi je pense à ma mère, exemple, là, qui aime pas vraiment tout ce qui est cru là. La bonne californienne, elle va vraiment aimer ça, j'ai l'impression. Même la fish and chip, ça doit être différent. J'adore. Sinon, dernier petit taste test. Ensuite, on se parlera plus tard. Je vais arrêter de vous manger dans le visage. Mais sérieux, là, 10 sur 10. Donc c'est vraiment bon. Petit goût épicé, pas trop. Comme moi, je le dipperais dans la mayo épicée, je me rajouterais de la. Tu sais, comme moi, j'aime quand c'est épicé, là. Mais j'adore le petit ajout de la salade d'algues. Ça fait vraiment bon.
Les sashimi, c'est super bon aussi, mais comme dans la vie de tous les jours, je sais pas si comme je m'en commanderais. J'aime beaucoup l'effet comme avec le riz. Encore un effet de texture, j'imagine. Mais vraiment bon. Pour le monde qui veut, tu sais, être plus léger, pas riz, 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 riz. Ça fait un à côté, ça fait le fun. Je sais comme dans les sashimi, c'est comme populaire, comme dans les restos sushi, tu sais, comme plus chic, plus, tu sais, comme dans les restos de poisson, là, tu sais, c'est comme... Je vois souvent ça, là, sur les médias sociaux, là. Mais, ouais. Donc, au thon, ici, c'est avec de la mayo épicée, dans le fond, que Stéphane m'a dit. Ah, lui, il est bon, tu sais. Ils sont tous bons. J'aime plus celui au saumon. Juste parce que je suis comme une salmon girly. Vraiment bon la gang. Je capote. 10 sur 10. Très noble. Tu sais, c'est des sushis, c'est sûr, j'ai un parti pris là. Mais je suis trop contente. Merci ma belle Caro. Je vous invite à aller au Yuzu de Bathurst. Sur ce, chin chin! Salut, on se retrouve un peu plus tard. La gang, c'était tellement bon. Puis sinon, depuis, j'ai écouté Big Brother. D'ailleurs, je ne l'ai pas terminé. J'ai défait le lave-vaisselle, j'ai passé la balayeuse. Francis travaille tard ce soir. Et donc, je vais être une petite solo night à la maison. Je vais en profiter pour me faire une petite soirée self-care comme que j'aime. Puis ça a bien commencé avec des sushis. Puis, ouais, donc je vais en profiter pour ramasser vite fait la maison. Et après ça, je pense que j'aimerais lire. Je sais pas si je prends un bain. J'aimerais me faire comme un chocolat chaud, genre de Pâques, mini egg. Puis vraiment prendre ça relax, relax. Et je sais pas si je veux écouter des émissions, si je veux colorier, je sais pas trop. Mais là, je vais aller ramasser, puis en même temps que je ramasse, puis juste que... Moi, j'appelle ça un mini-ménage, là, juste que pour que ça sent bon, là. Vite fait. Je vais mettre dans mes oreilles, la gang, mes écouteurs. Parce que on vit un moment aujourd'hui, c'est une journée historique. Beyoncé vient de sortir son Act 2. So, il y a Act 1, ça c'était Renaissance, so, le spectacle qu'on est allé voir. Là, c'est Act 2, c'est Cowboy Carter, ça s'appelle comme ça. Il y a 27 chansons sur son album, j'en reviens pas. J'ai tellement d'émotions, j'ai tellement de choses à dire, c'est tellement comme... incroyable, j'ai vu beaucoup d'émotions. Puis là, Garrett était comme, hey, elle dit, tu devrais l'écouter avec des AirPods. Là, j'ai mon case de Case Me, mais j'ai perdu un morceau, là, mais quand on le met avec des AirPods, là, c'est vraiment comme une expérience, comme, j'imagine, c'est comme ça avec n'importe quel écouteur, là, mais c'est rare que j'écoute des affaires avec ça dans les oreilles, là. Mais quand on met ça, il y a comme plein de petits sons que comme on n'entend pas juste comme ça. C'est incroyable. So là, j'ai envie de me mettre mes AirPods, faire mon petit ménage vite fait. Puis là, après, relaxer, faire une petite soirée self-care. Probablement me faire un masque. Puis, ouais, ça va pas mal être ça. Mais je voulais juste vous dire l'importance de se mettre des écouteurs. C'est game-changing. C'est game-changer. Oh! Whatever. Là, je m'entends, on dirait qu'il y a un écho. Game changing, game changer, peu importe. C'est merveilleux. Puis, je peux pas dire quelle est ma chanson préférée. Je les aime toutes. Il y a une collab avec Miley Cyrus, avec Post Malone, avec Dolly Parton. Comme, ça va pas, là. Ça va pas. Beyoncé chante Jolene, là, juste pour vous comme laisser savoir. Là. C'est merveilleux. Puis en plus, ça fait référence à Becky, genre comme... Ouf, Becky with the good hair. If you know, you know. Mais ouais. Donc, je mets mes écouteurs. Je m'en vais faire mon petit ménage rapide. Puis c'est ça. Je voulais juste vous parler de mon excitation du moment. C'est merveilleux. Donc, à plus tard! Thank you.
tu viens bien là? On y va. Oui, oui. Ok. Hey, bon, tu crèves pendant que maman passe en bain. Youpi! Molly, est-ce que t'as ta papa? Oui, ma pinouette. Papa arrive bientôt. Salut la gang, on se retrouve le lendemain. Hier, j'ai vraiment eu une belle soirée, relax. J'ai pris un bon bain, j'ai lu mon livre comme vous avez vu. Sinon, en soirée, je pense que je vous ai montré rapidement là, ben, un mini clip pour vous montrer qu'est-ce qu'on faisait Francis et moi. Puis on a commencé le film Anyone But You. Ça fait longtemps que je voulais l'écouter, puis Francis voulait comme pas. Ben, finalement, il a ri, puis il trouvait ça bon, puis... il nous reste comme un petit peu moins que la moitié, là. On va continuer parce que, dans le fond, on peut pas... faut l'acheter, là. Faut le louer, genre. OK. Donc, je vais vous montrer mon épicerie du matin. Après le spin, parce que, là, vous voyez. Et quoi? Une journée par ici. Hey, une journée par ici, maman. Non, on va s'en aller. Hey! Ouais. C'est juste pas fille. C'est une journée de famille. On fait la fête à Maudie aujourd'hui. Sa fille, elle a dit son chemin, c'était juste être avec moi. De plaise. Moi, je vais confier sa famille. OK. Un 3. Oui. Puis peut-être tu pourras apporter. D'habitude, on met une petite nappe. Un quoi? Une petite nappe rose, peut-être? Ouais. C'est tout ça. Mais ouais, donc je vais juste vous montrer ma petite épicerie du matin. Puis après, je pense que je vais conclure le vlog ici parce que je vais en commencer un autre pour la journée. Donc, l'épicerie post-spin avec le goût de manger des beignets. Donc, j'ai pas mal tout pour en faire. J'ai pris un gros chose de fruits comme ça. Ce soir, je suis tout seule. Ça fait deux soirs, Francis travaille tard pour petit coco. Mais là, au moins, il a su d'avance. Là, sur, là, ce matin, il peut prendre ça relax. Puis il va juste travailler ce soir. Donc, peut-être, moi, je me ferais peut-être une fondue au chocolat, peut-être, ce soir. C'est comme la fin de semaine de Pâques. Donc, je vais essayer de faire des petites choses festives. Sinon, une sauce hollandaise. J'avais dans l'idée de faire des beignets, comme j'avais vu sur le Instagram à Rachel Quentin. J'aime tellement la suivre. Là, elle est tellement bonne en faire des recettes. Elle faisait genre à la fête, j'y avais envoyé un message, là, savoir ce qu'elle avait fait, une gaufre sucrée ou salée. Puis elle avait fait une gaufre au parmesan, genre le rêve. Mais ça me tente de faire une gaufre tout de suite, je suis pas sûre, il arrive 10h, je commence à avoir faim. Sauf dans le fond, à la place, j'ai trouvé un pain comme ça de la bagueterie, je les aime beaucoup. Des pains ovales là, comme ça sont bons. Puis ça va être à l'ail, donc je me suis dit deux bonnes... tu sais, deux bonnes tranches comme ça, là, sur la diagonale. Ça va me faire des bons pains pour mes beignets. Ça fait différents genres que des Egg McMuffins. Des petites tomates. Ensuite, j'ai pris des bananes. Et mon bacon que j'achète toujours. Mes beignets, je voulais les faire au saumon. Il n'y avait pas de saumon à nulle part. Ce soir, pour souper, vu que je suis toute seule, je ne sais pas qu'est-ce que je vais me faire encore.
Mais je vais peut-être me faire une sauce. Une poutine, genre mexicaine. Ou peut-être, genre, pour demain, un reste de poutine déjeuner. On verra. Sinon, j'ai pris du cacao pour. J'aimerais faire une recette aujourd'hui pour Pâques. Ensuite, j'ai pris des oranges. Des mandarines, peu importe. Du baking soda. Ah, I got baking soda. C'est pas une chanson, ça. Mais ça, j'ai tout pensé dans la tête quand je dis baking soda. Ensuite, j'ai pris un petit sac de farine. J'ai pris du parmesano, du parmigiano, hein, comme dirait Stefano. Ensuite, des oignons verts. Je me suis pris des belles fleurs pour la fin de semaine de Pâques. Cadeau de moi à moi. Et j'ai quelques petites autres choses. J'ai de la roquette pour mes beignets. Ensuite, ou pour me faire des petites salades, ou peu importe, là. J'ai pris une fungi comme ça parce que je la trouve super bonne pour un dîner vite fait ou un souper, tu sais, dépendamment si ce soir je vais pas me casser la tête ou je verrai là. Des petites carottes comme ça, moi j'avais du dip. J'ai pris un autre cold foam à la vanille parce que je l'adore. Et sinon, j'ai pris des framboises. C'est la seule demande spéciale à Francis. C'était du fromage à grilled cheese comme ça. Et est-ce que c'est tout? Oh non. Des avocats comme ça. Francis arrive pas de ballon. Ça va-tu? Hop, oh, j'avais un autre fromage. Puis une petite bouteille comme ça d'extrait de vanille. Donc là-dessus, la gang, je pense que je vais terminer mon vlog. J'espère que vous aurez aimé mon petit taste test. Ma petite soirée relax. Ça va-tu, les ballons? Hein? Ça va-tu? Non, je l'ai. Je veux l'argent. Non. Bon. Puis, c'est pas mal ça. Donc, j'espère que vous avez aimé mon petit vlog de dernière minute sur la fly. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, je viens d'en commencer un autre. Puis, on fait rien de trop extravagant là, pour la fête à Molly cette année. Là. Habituellement, on fait un gâteau et tout. Mais j'étais comme on finit par le gaspiller. Puis on y avait acheté une coupe de gâterie, là, genre au Pet Value. Là. So, je vais lui mettre ça, puis prendre une petite photo. Puis ça va être correct. C'est plus pour rire que d'autres choses. Là, elle a eu des cadeaux toute la semaine. C'était comme un festifête. Oh my God. Mais c'est ça. Là, la gang, la seule chose, je sais pas si je commence mon béni par là. Francis est venu chercher de l'argent. J'ai comme l'impression que j'aurai un morceau de saumon. Si j'ai un morceau de saumon, je vis le grand rêve. À voir dans un autre vlog. Donc, on se parle plus tard, la gang. Je vous aime bien gros. Puis, je vous souhaite une belle... Et gardez-moi le cou bleu. J'ai tombé. L'autre jour, je m'en allais au spin, puis comme j'ai perdu par là, j'ai presque tombé en bas de mes steps, puis je m'ai tenue de main, mais j'ai comme plein de crochets, là, je m'ai qui se met à arracher le bras. Ok, mais c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine de Pâques, puis laissez-moi savoir si vous avez des plans en commentaire, là. Ah ben, pas si vous avez des plans, si vous avez eu une belle fin de semaine, parce que ça va probablement sortir lundi, j'ai l'impression. Lundi, mardi. Donc, c'est ça la gang. À la prochaine. Bye!